C'est un immense honneur aujourd'hui d'avoir remporté la première édition, le Grand Prix du chef de l'État, qui est la plus haute distinction nationale pour une jeune entreprise dans le domaine du numérique. Vraiment, c'est une responsabilité de plus, un honneur et une dose de motivation pour toute l'équipe. C'est ça, je pense qu'on l'a montré dans notre présentation, l'agriculture aujourd'hui représente 60% de la main-d'œuvre africaine. Donc quand on parle de relance économique, ça ne pourrait être autre que dans l'agriculture. Donc nous sommes là. Je pense qu'on l'a dit au président que nous sommes prêts pour accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, le ministère de l'Environnement, pour leur apporter notre talent, notre savoir-faire, pour qu'ensemble le Sénégal puisse sortir de cette pandémie au lendemain. Je pense que comme tout jeune Sénégalais soucieux de l'avenir de son pays, je pense qu'on a vu le forum du numérique. Donc nous, en un premier temps, l'idée c'était de participer, de montrer notre savoir-faire. Et après, on a vu qu'en fait, c'était l'occasion pour nous, la chance, et les autres n'ont pas démérité aussi. Donc vraiment, félicitations à tout le monde, c'est le Sénégal qui gagne. Je pense que ça va nous permettre de renforcer nos infrastructures, ça va nous permettre aussi de mieux nous déployer dans l'intérieur du pays et pourquoi pas dans la sous-région Côte d'Ivoire, Mali, Bamako. C'est une agriculture intelligente, durable et efficace. Merci.